Salut l'internaute! Tu le sais, nous le savons, je le sais, le problème de notre époque, si on doit le nommer, le tenir responsable de la menace qu'il pèse sur notre humanité, sur l'avenir même de l'humanité, et tant il impacte le vivant à l'échelle planétaire, c'est le capitalisme néolibéral. Je ne t'apprends rien. Avec lui, qui régit le monde et ses mécanismes jusqu'à s'infiltrer dans nos habitudes, nos valeurs, venant nous dicter les bons choix de vie, nous les imposant sans aucune alternative pour réussir, selon lui, nous sommes tout bonnement réduits à des machines productrices de richesses et consommatrices de biens et de services, dénuées de toute humanité et réflexion. Car réfléchir, c'est déjà désobéir, alors que nous devons être soumis à une ultra-élite hors la loi qui façonne le monde à la gloire du capital. Mais il y a un problème factuel. La croissance illimitée qu'il désire, qu'il vénère, est contre nature. Impossible de croître à l'infini dans un monde, lui, fini. Il y a des limites naturelles à notre monde, aux mécanismes naturels des choses, qu'ils choisissent d'ignorer tant elles vont à l'encontre de leurs projets, de leurs desseins, de leurs croyances capitalistes. Alors ils ont fait tout reposer sur la consommation, puis la consommation de masse, la surconsommation de masse, la sur-surconsommation de masse, grimpant toujours plus haut, encore et encore, inventant et usant de toujours plus de fêtes commerciales ou rendues commerciales. Noël, Pâques, anniversaire, Halloween, fête des mères, des pères, des grands-mères, Saint-Valentin, et j'en passe, comblant l'espace vide entre par les soldes, puis entre les soldes par les promotions. Toute l'année durant, toute la semaine, tard le soir, même le dimanche, créer des occasions pour nous faire consommer sans arrêt, encore et encore et encore, jusqu'à risquer l'overdose qui pourtant ne semble pas venir. La sortie commerciale d'un objet futile rendu indispensable par la publicité omniprésente rassemble désormais des foules immenses de personnes dans les rues et les magasins, alors que la destruction des services publics vitaux pour nos sociétés n'intéresse quasiment plus personne. Le capitalisme et ses régisseurs nous poussent vers les magasins pour nous tenir éloignés des urnes. Et dans leur logique de croissance illimitée, depuis peu, en France, en Europe, on nous rajoute une couche supplémentaire pour aller encore et toujours plus loin. Le Black Friday. Une sorte de jour ultime de méga-soldes. Mais c'est aujourd'hui ? Ah, le Black Friday ! Mais oui, c'est aujourd'hui. Mais le Black Friday ! Hé !